Rendons-nous d'abord dans un lieu de culture passionnant, la cartoucherie de Vincennes. C'est dans ce théâtre militant, créé il y a plus de 50 ans par Ariane Mnouchkine, que Golshifteh Farahani fait ses premiers pas sur scène. Elle interprète le rôle intense et écrasant d'Anna Karénine dans une mise en scène de Gaëtan Vassar. L'héroïne de Tolstoï est une femme libre qui brave les conventions, quitte à se brûler pour vivre son amour. Elle était faite pour l'actrice iranienne, symbole d'émancipation dans son pays. Sabrine Kazbaoui revient avec elle sur cette figure romantique et romanesque. Qu'elle soit Greta Garbo, Vivienne Leigh ou Golshifteh Farahani, elle est belle, impétueuse et brille d'une aura mystérieuse, Anna Karénine. Now, that's what I call a wonderful woman. Lorsque Léon Tolstoï publie son roman en 1877, il ne se doutait pas que son personnage deviendrait l'une des plus grandes héroïnes de la littérature. Au théâtre de la Tempête à Paris, dans une mise en scène de Gaëtan Vassar, l'iranienne Golshifteh Farahani prête en ce moment ses traits à la jeune russe. On a beau venir chaque soir écouter cette même artiste, toujours à la nouvelle. Un personnage au succès universel donc, qui naquit pourtant d'un simple fait divers. Tolstoï, il avait le projet de raconter l'histoire d'une femme coupable, hein, mais uniquement en la montrant comme pitoyable. Et en fait, il y a eu effectivement un fait divers, une jeune femme qui avait été abandonnée par son amant, qui s'est jetée sous un train. Tolstoï est allé à la gare voir le cadavre. Anna Karénine quitte mari et enfant pour suivre son amant, le beau Vronsky. Don't leave me ever again. Une décision contre la morale de son milieu et un désir de liberté qui la rapproche de la jeune comédienne iranienne en exil, Golshifteh Farahani. C'est d'ailleurs précisément pour cela qu'elle est choisie pour le rôle. Me mettre en garde? Contre quoi? Moi aussi, j'étais un individu qui n'était pas complètement accepté par la société, par le pouvoir, et des fois même ma famille artistique. J'avais envie de vivre ma vie entièrement comme Anna, parce que Anna aussi, comme Madame Bovary, elle peut rester dans les fantasmes, mais elle n'a pas envie de rester dans les fantasmes, elle a envie de vivre. Anna Karénine s'émancipe même de son auteur et va devenir une figure féministe. Tolstoï, lui, n'est pas du tout féministe, hein, si vous voulez. D'ailleurs, il déteste son héroïne, dit tout le temps, j'en ai assez, elle m'embête. Mais c'est un roman qui ne prend pas le parti des hommes ou des femmes et qui a pour particularité de décrire ces fameux trois couples qui expérimentent un peu toutes les phases du couple, du mariage, de la famille de façon générale. I am your husband and I love you. It isn't me you love, it's your career and your appearances. Elle est à la fois le type de l'héroïne romanesque et celle qui, en quelque sorte, si vous voulez, détruit tout ce qu'on peut attendre du romanesque. C'est-à-dire, vous voyez, au départ, elle est absolument prestigieuse. Elle est belle, comme toute héroïne de roman, mais elle a quelque chose de particulier. Elle est tout ce que tout le monde dit. Ils ont envie d'être une femme modèle, un symbole de la beauté, la plus belle femme de Russie. Tout le monde a envie d'avoir quelque chose d'elle. Elle sort de tout ça, elle dépasse tout ça. Et puis, elle va tomber très bas, enfin, elle va petit à petit se dégrader, mais en restant constamment prestigieuse. C'est-à-dire que le regard du romancier n'est pas du tout ironique, comme l'est celui de Flaubert, par exemple, pour Madame Bovary, à qui on la compare sans arrêt. Pas de happy end avec Anna Karénine. La tragédie, c'est aussi ça, la force de cette héroïne. Quand elle arrive, elle amène la drame, elle amène la tragédie avec elle. Dès le coup de foudre, la mort est annoncée. Il y a cet accident d'un homme qui est écrasé par le train et qui va poursuivre Anna et Vronsky par une sous forme de cauchemar récurrent. En fait, elle se présente elle-même comme une morte en sursis. Et donc c'est pour ça que c'est pas... Mais c'est à la fois le roman de la passion et c'est pas du tout, aux yeux de Tolstoï, du moins... l'apologie de la passion, sauf que le lecteur, évidemment, choisira ce qui lui plaît, voilà. Et le cinéma aussi, avec pas moins d'une dizaine d'adaptations. Celle de Clarence Brown en 1935 avec Greta Garbo, de Julien Duvivier en 1948 avec Vivienne Leigh, de Bernard Rose en 1997 avec Sophie Marceau, ou encore de Joe Wright en 2012 avec Keira Knightley. L'universalité d'Anna Karénine stimule. Ce qui est important, c'est des sentiments qui se répètent, en fait. L'adultère, l'amour, passion, mensonge, trahison, tout ce truc-là, c'est des trucs que les êtres humains ils vont vivre avec. La complexité d'Anna Karénine fait d'elle une figure pivot à la croisée de deux mouvements littéraires. Le moment d'Anna Karénine, qui est le moment de la,
du développement du réalisme. C'est aussi le moment où on commence à ne plus s'intéresser justement à des personnages prestigieux. On veut des personnages ordinaires, banals. Et dans le cas d'Anna Karénine, on la voit dans les petits détails, de sa grossesse, par exemple, etc. Et en même temps, donc, avec cette aura de prestige qui est celui du personnage de roman. She's forgotten and she's forgiven. You think so? I'm sure. Well, who knows?